On fait tomber samedi après-midi le leader de la poule, l'AS Béziers. L'OL qui va trouver l'ouverture sur sa première occasion avec une belle combinaison ponctuée par une passe décisive de Mourpaille pour le troisième but en CFA de Yacine Benzia. L'OL qui va tenir cet avantage jusqu'au temps additionnel de la première période. Mais finalement, Béziers revient au score sur cette frappe détournée de Kevin Fortune qui ne laisse aucune chance à Lucas Moscio. Les Lyonnais vont reprendre l'avantage finalement en début de seconde période sur ce corner de Romain Del Castillo, repris victorieusement par Mokhtar Diakabi. Deuxième but en deux matchs pour le milieu de terrain lyonnais qui ne sera pas suffisant car même en infériorité numérique après l'expulsion de leur latéral gauche, les joueurs de Béziers vont égaliser une nouvelle fois par Kevin Fortune. L'OL va finalement trouver les ressources pour aller arracher la victoire à 20 minutes de la fin du match. Suite à ce pressing gagnant d'Aldo Kaloulou, le centre de Romain Del Castillo est dévié par Yacine Benzia et Maxime Darpino ne se prive pas d'offrir aux siens la victoire grâce à son premier but en CFA.